et deux Alfred. Ce sont deux petits singes, mais c'est un seul et même doudou. Bruno Podalydès a inventé le cinéma tout doux avec les deux Alfred. C'est un film drôle sans être gnangnant, dans lequel il retrouve son frère Denis. En bas âge, hein, parce qu'ici, quand on a des enfants, on se sert de la boîte, c'est la philosophie de la maison. Ce qui est bien chez Bruno Podalydès, c'est qu'il reprend la société moderne et qu'il s'en moque sans méchanceté. Là, c'est la technologie qui passe dans sa moulinette et qui nous fait bien rigoler. Les deux frangins Podalydès se sont offert une partenaire de choix pour partager leur jeu. C'est Sandrine Kiberlin, qu'on avait déjà beaucoup aimée dans 9 mois ferme où elle montrait à quel point elle peut être drôle, qu'on retrouve en patronne psychorigide. Vous voir, on se tutoie. Non, faites pas l'imbécile, là. Vous tenez-vous, là. Il y a des drones, il y a des robots, et surtout, il y a la musique des Daft Punk pour lancer tout le délire de ce film vraiment frappadingue. Le monde de Bruno Podalydès, c'est de la poésie, c'est de la fantaisie, c'est du bonheur.